Salut tout le monde! Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, Jaune. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention, les mécaniciens. Ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. Jaune! Ne touche pas ce bouton! Les mécaniciens, vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci Vicky. Au revoir tout le monde. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté! Bleu? Ah, attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! Passe-moi une clé à molette, s'il te plaît. Ce boulon est desserré. On ferait mieux d'y aller, Tilly. Il ne faut pas être en retard. Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule. Thank you.
Ah, bonjour les mécaniciens. Debout de bonne heure pour une nouvelle journée de travail. Bleu? Nom d'un petit boulon. Je pense qu'il est somnambule. Réveille-toi, Bleu. Un garage n'est pas un endroit sûr pour les somnambules. Bleu! 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 Voilà, Eric. Ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon. Hein? C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être un trésor enfoui. Je me demande ce que c'est. Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Tada! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée! Essayez maintenant, les mécaniciens! Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens! Bonjour tout le monde. On est en train de réparer Mama Recycle. Mais, oh, il se fait tard. Vous allez devoir rester pour une soirée pyjama. Allez tout le monde, il est temps de se préparer à aller au lit. Wow! Ils sont tellement excités qu'ils n'arriveront jamais à dormir. Mais j'ai une idée. Il est temps d'être tout propre. Avant d'aller se coucher et de rêver. Il est maintenant temps de se sécher. Je viens vous chercher. Ils ne dormiront jamais comme ça. Attends une minute, j'ai une autre idée. Mes canaux endormis, reposez-vous. Après avoir travaillé si durement. Bébé camion, bleu, rouge, jaune et vert. Allez au lit, bonne nuit de beaux rêves. Ah, bonne nuit tout le monde. C'est le camion à Ben Dylan. Comment peut-on t'aider aujourd'hui? Tu as des problèmes avec ta Ben Dylan? Allez, les mécaniciens!
Je vois. Ton camion à benne continue à se déverser et à se vider. Voyons cela. Je pense que le piston a besoin d'être remplacé. Débrancher ce câble va l'empêcher de se vider. Pendant que je vais chercher un nouveau piston. Ça va régler le problème. Oh. Hein? Comment est-ce que ça a pu être rebranché? Oh! C'est donc toi qui as rebranché le câble. Oh, c'est bon. Tu t'es bien amusé. Maintenant, on peut finir le travail. Voici ton nouveau piston, Dylan. Mais j'ai une idée pour ce vieux piston. Ok, les mécaniciens, c'est fini. Regardez votre nouveau toboggan. Fait avec l'ancien piston de Dylan. Oui! D'où vient tout ce désordre? Monsieur Weasel, vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde. Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace. Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts. Ça y est, elle arrive. Tu es prêt, Bleu? Bleu, vite, appuie sur le bouton éteindre. Ouf! Bien joué, Bleu! Vous avez encore mon camion à glace! Oh, je déteste les fusées! Venez, les mécaniciens! Allons voir s'il va bien! À très bientôt! Au revoir! Oh, c'était une sacrée tempête. C'est bon de revoir le soleil. Oh là là. Venez, on va vous nettoyer dans notre station de lavage. Tu appelles ça du lavage de voiture? Tu ne fais pas le poids face au lave-auto Weasel. Je peux nettoyer n'importe quel véhicule mieux que toi. Tu es prêt à relever le défi, Gecko? Bien sûr! Ça peut être amusant! Je propose que nous on prenne Fiona et que toi tu prennes Bobby! Oh. Oh. Prêts les mécaniciens? Prêts à commencer, Fiona? À vous, Monsieur Weasel. Bonne chance. Ha!
Je n'ai pas besoin de chance pour nettoyer cette boue. Entre, Bilby. Plus de puissance, je pense. Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller. Non, 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 espèce de machine stupide. Ne t'inquiète pas, Bobby. Viens ici et on fera de notre mieux pour te nettoyer. Propre et sec. Oh. Venez donc, Monsieur Weasel. On va vous sécher. Non, merci. Beau travail, les mécaniciens. Maintenant, tout le monde est beau et propre. Même Monsieur Weasel. Allez, Bleu. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, les mécaniciens. Hein? Bobby, que fais-tu ici si tard? Oh là là, tu as besoin d'une nouvelle roue. Je peux réparer ça. Mais il ne faut pas faire de bruit. Ah! Ah! Oh! Ouf! On l'a échappé belle. Oula! Non, 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 non. Hey. Oh! Bobby. Bonne nuit. Je vais peut-être juste m'asseoir un moment. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour très important. C'est le jour du recyclage. Oh, le jour des poubelles, c'est poubelle. Oh, bonjour, grenouille. Pourquoi avoir 5 poubelles quand on peut en avoir une? Ah, voilà Mama Recyclage qui vient tout collecter. Mama Recyclage! Attention! Nom d'un tournevis qui tourne! Pauvre Mama! Allez, allez, Tilly la dépanneuse!
va vous remettre sur vos roues. Écrou et boulon. Le bras de préhension de maman est plié. Et elle est toute rayée aussi. Nous avons beaucoup à faire, les mécaniciens. Prenez vos outils et chantez cette comptine. Au garage de Gecko, c'est l'heure des réparations. Ton bras de préhension est tout plié. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Sous la chaleur, le métal va se plier. Et cette partie de notre ami sera réparée. Et n'oublie pas de la peinture fraîche. Tu seras comme neuf une fois sèche. Aidez-moi! Toutes ces sales ordures sont de retour! Écrou et boulon! Monsieur Weasel est piégé par ses propres déchets! Je ne pense pas que Monsieur Weasel sache comment recycler! Montrons-lui comment faire! Allez, allez, les mécaniciens! Vous voyez, Monsieur Weasel, recycler peut être amusant. Eh bien, tu n'es pas très doué pour ça. Tu en as raté une. C'est déjà beaucoup trop d'efforts pour moi. Vieille soupe. Merci, maman. À bientôt. Au revoir, tout le monde. C'est ça, les mécaniciens. Nettoyons le garage comme il faut. Oh, on dirait qu'on a des clients. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Il n'a pas l'air très content. Une dent qui bouge. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Bébé Camion. Quand elle tombera, tu pourras la mettre sous ton oreiller et tu recevras une belle pièce d'or. Oh non! Bébé Camion a perdu sa dent qui bougeait. Oh, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, allez les mécaniciens! Burk! Désolé, Vert. Ce n'est pas une dent. Oh! Et... Oh! Ah! Attention, Jaune! On a cherché dans tout le garage. Et il n'y a aucune trace de la dent de Bébé Camion nulle part. Oh. Juste une minute. Il y a un endroit où on n'a pas vérifié. C'est dans le plumeau de Bleu. Ah ah! Et voilà, Bébé Camion. Maintenant, rentre chez toi et mets-la sous ton oreiller. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures excitantes au garage de Gecko. Au revoir! Achou! On a fini, les mécaniciens. C'est le soir de Noël et le garage est magnifique. Vous savez ce que vous souhaitez du Père Noël? Oh, tu ne sais pas, Bleu? Eh bien, tu ferais mieux de te décider. Le Père Noël sera bientôt là. Oh, oh, oh! Oh, wow! Je ne pensais pas qu'il arriverait ici si tôt. Bonjour, Père Noël. Gecko, j'ai besoin de ton aide. Mes rennes sont malades et mon traîneau ne peut pas voler. Et je dois le conduire dans le ciel. Si je ne livre pas tous ces jouets, il n'y aura pas de Noël pour les filles et les garçons. Ne t'inquiète pas, Père Noël. Nous allons le faire voler. Ha, ha, ha.
Oh. 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 C'est ça. Oh. 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 Wow! Ah! Wow! Noël a été sauvé par l'équipe de Gecko. Alors voici un cadeau pour chacun d'entre vous. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Père Noël. Tu as décidé ce que tu veux, Bleu? Oh, oh. Est-ce que tu veux monter sur mon traîneau? Alors monte à bord et volons loin. Ho, ho, ho. Oh, oh. Joyeux Noël de la part de nous tous, ici au garage de Gecko. Joyeux Noël. Salut tout le monde, c'est Gecko. On a une belle journée ensoleillée. Alors je me suis dit que j'allais observer les oiseaux. Oh, regarde! Ce sont les jumeaux, Barry et Carrie. Oh non! Barry est tombé! Vite les mécaniciens, on doit l'aider! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! Ne t'inquiète pas, Barry. On va vite te sortir de là. Bleu! On va t'examiner. C'est étrange. Ton moteur ne veut pas démarrer. Oh, Carrie va remonter le moral de Barry. Comme c'est charmant. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry. C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas. C'est si agréable quand des amis vous rendent visite. Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite. Le poisson est chez lui, sain et sauf. Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. On se revoit bientôt. Au revoir. Tu peux le faire, Molly. Hey, elle l'a fait. Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde. Oh, oups. La peluche est sur Fiona. Suivez ce camion de pompiers. Fiona! Arrête-toi! Qu'est-ce que... Allez, grenouille! Laisse-moi passer! Wilbur T. Weasel arrive! Non! Le feu est toujours rouge! Attends, Fiona! Je dois regarder ton toit!
Nom d'un petit boulon, il a disparu. Ah, il était temps. Eh bien, une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo? Je veux prendre une photo. Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Oh, on va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis. C'est la peluche de Molly. Ouh, je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gecko. Vous avez l'air effrayants, les mécaniciens. Vous êtes tous prêts pour Halloween. Même Tilly se joint à la fête. Qu'est-ce qui se passe, Vert? Est-ce qu'il y a un monstre dehors? Je ferais mieux de jeter un coup d'œil. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Les monstres n'existent pas. Hello! Hello? Est-ce que tout va bien, l'ami? Viens dans la lumière. Oh, mon cher Max, il te faut un nettoyage d'Halloween. On va te mettre dans la station de lavage. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Rappelez-vous, les monstres n'existent pas. Quand tu es prêt, Max. Voilà, Max. Tu ne fais plus peur maintenant. Joyeux Halloween à tous!
Bonjour, Bobby. Allons bon. Remplaçons ce vieux pare-choc. Ah, écoutez-moi, les mécaniciens. Pouvez-vous enlever le pare-choc, s'il vous plaît? Avec précaution. Attention. Attention. Attention, les mécaniciens. Nous devons travailler ensemble. Aïe! Ouh! Ouf! Merci, Vert. Oh, mince! Vous allez devoir finir la réparation tout seul, les mécaniciens. Merci, Vert. Oh, les mécaniciens, vous devez travailler ensemble. Oh, bon travail, les mécaniciens. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Comme neuf, Bobby. Bien joué, Vert. Oh, quelle belle journée ensoleillée. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Wow! Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ah, qui ça peut être? Je suis occupé. Max? De l'air pour tes pneus? Oh, très bien. Ah, attends, Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ne t'inquiète pas, Max, j'arrive. Hey. C'est un sacré coup de tournevis. Comment ça, de ma faute? Oh, ne panique pas, Max. On va trouver quelque chose. Max, si je laisse sortir un peu d'air des pneus, on va partir en trombe comme un ballon. C'est ça, Max. Direction le garage. Oh. Et voilà, Max. Ils sont comme neufs. Je vais lui montrer à ce gecko dès que mon ballon publicitaire sera prêt. Oh. D'où vient cette délicieuse odeur? C'est exact. Un kebab gratuit pour chaque client. C'est sûr, ça va me faire plus de clients. Allez, Eric. Cuisine plus vite. Est-ce que quelque chose brûle? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue? Oh! Non!
Mon beau barbecue, non! Fiona, le camion de pompier, il y a un feu! On est sauvés! Aidons à éteindre ce feu! Allez, allez, les mécaniciens! Oh! Sauvez-le! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je suis trempé! Oups! Désolé! Le tuyau n'est pas assez long! Bonne idée, Fiona! Utilisons l'extincteur! Oh! Je te tiens! Dieu merci, tout le monde est sain et sauf! Bon travail, tout le monde! À très bientôt! Au revoir! J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Geki! Il était très différent à mon époque. Oh, merci, grand-mère. Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles? Il a l'air tout propre, les petits. Au secours! Au secours! Je ne peux pas l'arrêter! Monsieur Weasel, il a des problèmes. Grand-mère, attends! Merci, Rouge. Reculez, les enfants! Grand-mère arrive! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème? L'accélérateur est bloqué! Je ne peux pas ralentir! Au secours! Grand-mère, le toit ouvrant! Bien reçu, mon petit! Gecko, fais-la s'arrêter. Oh, désolé. Oh, l'accélérateur est collé avec du chewing-gum. Bah. Il s'en est fallu de peu. N'importe quoi. J'avais tout sous contrôle. Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère. Pas de problème, mon petit. Tu as bien réfléchi. Je suis fière de toi. Oh, merci, grand-mère. Merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et maman camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. C'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Oh là là! Tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé camion.
Il est temps de se rafraîchir. Ah. Tu vas mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. Waouh! Bon boulot, les mécaniciens. Un garage propre est un garage heureux. Oh, c'est bizarre. On n'a plus d'électricité. Il doit y avoir un problème avec nos panneaux solaires. Oh mince! La lumière du soleil est cachée. Mais ce n'est pas un nuage normal. Allons enquêter, les amis. Ah, essaye maintenant, Dylan. Je ne comprends pas. Ton moteur devrait fonctionner correctement. J'ai suivi les instructions. Bonjour, Monsieur Weasel. Est-ce que tout va bien? Tout va parfaitement bien, Gecko. Oh. Je renonce. Laisse-moi regarder, Dylan. La mauvaise nouvelle est qu'on va devoir démonter ton moteur, Dylan. Mais la bonne nouvelle est que j'en ai un tout nouveau qui sera bien meilleur pour toi et pour tout le monde. Parfait. On va avoir besoin de l'aide du soleil. Et Dylan aussi. Cette batterie va se charger grâce au panneau solaire. Pendant qu'on va installer le nouveau moteur électrique de Dylan. Dylan. Bon travail, Vert. Des clients propres sont des clients heureux. Et une planète plus propre est aussi une planète plus heureuse. Bonjour tout le monde. Nous allons à la plage aujourd'hui. Rappelez-vous, les mécaniciens. Ne prenez que ce dont nous avons besoin. Hein? Porte de garage, ouvrez-vous en grand. Il est temps d'aller au bord de la mer. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Vert ne peut pas attendre pour une crème glacée. Oh non! Vicky est en panne. Jetons un coup d'œil. Ah, je vois le problème. On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas. Tu vas bien, Tilly? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi. Oh! Ah! Nom d'un tournevis qui tourne! Maintenant, on est coincé. On va te ramener à la maison, Tilly. Mais d'abord, nous devons aider Vicky. Pas étonnant que tu te sentes fatiguée. Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut. Ah. Tu ferais mieux d'y aller, Vicky. Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens. On doit d'abord réparer Tilly. Salut, Trevor. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît? J'ai une bonne idée. Merci, Trevor. Tu es comme neuf. Ah, notre cher ami Tilly. Nous t'aimons plus que tout. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité.
Mais d'abord, sortez tous. Vous méritez tous une récompense spéciale. Tada! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis peuvent nous apporter la plage. Tout le monde. Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider. Beaucoup de véhicules dans le besoin. Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens. Nos amis ont des pneus à plat. Oh là là, on dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre. Oh, des écrous et des boulons. Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite. En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... Grand-mère! Voilà mon petit Geki. Avec un très gros travail sur les bras. Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir. C'est bien de demander de l'aide de temps en temps. Merci à vous deux. Heureuse de t'aider, comme tu m'as toujours aidée, ainsi que tous les autres. Maintenant, les enfants, on s'organise. Allez, allez, grand-mère. Bon, les mécaniciens, j'ai une idée. T'es exercé, Geki. J'ai appris de la meilleure. Reviens vite, mon cher. Merci, grand-mère. Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi. Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus. Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère. Mais j'ai apporté ton plat préféré. La tarte aux pommes de grand-mère. Oh! Viens donc, Vert. Chargeons tous ces vieux trucs dans Tilly. Oups! Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. La famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Oh non! Pauvre Bébé Camion, quel atterrissage difficile. Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, Maman Recyclage? Tu as une idée? Bébé Camion, tu devrais atterrir en douceur cette fois. De rien, Bébé Camion. Oh, merci, Maman Recyclage. C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux. Thank you.
regardez les mécaniciens. C'est la famille Camion. Bonjour tout le monde. Oh, c'est un beau bateau que tu as là, bébé Camion. Oh non, un pneu. Il se dirige droit vers le bateau de bébé. Ouf. Merci, maman Camion. Maintenant, nous pouvons recycler ce vieux pneu. Attendez. Regardez. Encore des déchets. Ils doivent venir de quelque part en amont de la rivière. Allons-y. Reste ici, Jaune. Protège le bateau. Encore des déchets, là. D'où peuvent-ils bien venir? Monsieur Weasel, que faites-vous? Oh, Gecko, j'essayais de me débarrasser de tous mes déchets. Oh, les freins sont bloqués. Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière. Oh non! Il se dirige droit vers le bateau de bébé Camion. Oh, secours! Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière, Monsieur Weasel. Ça salit la rivière. Vous avez presque détruit le bateau de bébé Camion. Un bateau? Je n'ai pas joué avec un bateau depuis mon enfance de belette. J'ai une idée. Les déchets peuvent être recyclés. On peut faire des choses super à partir de vieilles choses. Je vais vous montrer. Levez l'ancre! Attention! Voici le navire Weasel! C'est tellement amusant! La rivière est propre à nouveau! À la prochaine! Au revoir!